savez, quand je vous, généralement, vous apportez des messages de foi, beaucoup de personnes pensent que quand on prêche sur la foi, on ne doit pas parler des sujets comme la malédiction. Alors j'ai commencé à prier profondément. C'est des thèmes que j'ai déjà abordés avec vous. Et j'ai demandé à Dieu de me parler et Dieu m'a parlé. Et donc, Dieu m'a dit, les malédictions font partie de ma manière de légiférer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans le fonctionnement de Dieu, il a intégré les malédictions pour que ça participe à l'accomplissement de sa justice. Il a intégré les malédictions pour que ça participe à l'accomplissement de sa justice. C'est pourquoi, contrairement à ce que monsieur le diable fait croire à beaucoup de croyants, Dieu a été la première personne à maudire. Satan n'a pas maudit en premier. Satan a copié Dieu, mais Dieu a maudit en premier. Quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, ou bien quand Adam a péché contre Dieu, après que Ève ait été séduite, pour parler de façon plus éclairée, Dieu avait dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Alors la parole que Dieu avait prononcée ne pouvait pas toucher Adam et Ève tant que Dieu ne les avait pas affaiblis. Donc il était obligé de prononcer sur eux des malédictions pour anéantir tout ce qu'il avait d'abord dit au départ, puisqu'il les avait bénis pour les affaiblir et permettre ainsi au règne de la mort de prendre donc d'avoir une emprise sur leur vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Sans avoir été maudit, Adam et Ève ne seraient pas détruits. Donc Dieu les a affaiblis en les maudissant. Et il a non seulement maudit Adam et Ève, mais il a encore maudit le sol sur lequel ils se tenaient. Il a dit, vous voyez, la terre est maudite à cause de toi. Et là, c'est là, il a dit, elle va continuer le produit, mais avec des épines et des ronces. Tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Donc il a rendu difficile l'existence d'Adam et Ève sur terre. Voyez-vous, cette existence qui était glorieuse ne l'a plus été parce que Dieu avait prononcé sur leur vie des malédictions. Maintenant, dans le mouvement de la foi, tel que nous le vivons dans cette dispensation, beaucoup de personnes disent, ok, ouais, Jésus est mort pour moi à la croix, donc comme Jésus est mort pour moi à la croix, les malédictions n'ont plus de pouvoir sur ma vie, parce que Christ m'a délivré des malédictions. Eh bien, écoutez, lisez bien la Bible. Mettez-moi à Galates 3, verset 13. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Christ nous a délivré, racheté de la malédiction de quoi? De la loi. Il nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Il nous a délivré de la malédiction de la loi. Et j'explique en disant, écoutez bien, il existe plusieurs types de malédictions. Ça, il nous a racheté de la malédiction de la loi. Mais il ne nous a pas racheté de la malédiction du père ou la malédiction du prophète, la malédiction, cette malédiction de la vie. Mais c'est de la loi dont il s'agit. Donc, il y a plusieurs types de malédictions. J'explique. Quand Adam a été maudit, est-ce que la loi existait? Non, mais Dieu a maudit Adam. Écoutez bien, la Bible dit, maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc Dieu continue d'attirer sur certaines personnes des malheurs à cause de la mauvaise qualité de leur cœur en ce qui concerne son royaume et son serviteur. Donc, ce qui est écrit là ne remet pas en cause le fait que la puissance et le pouvoir de malédiction continuent d'agir. T'as bien compris? Et donc, parmi les malédictions, on a donc plusieurs catégories. On a les imprécations, qui sont des paroles relâchées à distance. On a les sorts, aussi, qui sont lâchés comme la vie. Mais on a les envoûtements mystiques. D'accord? Le fait que quelqu'un parle ton objet peut manipuler tes sentiments, t'envoûter et t'amener à faire ce que tu n'avais pas envie de faire. Mais on a aussi les réclamations. Dans cette nuit, ce jour, je veux traiter la question des réclamations. Oui, et que nous comprenions comment ça marche les réclamations et comment les neutraliser. Le but ici, c'est que chacun d'entre nous, si on a identifié quelque part qu'il y a une malédiction, une réclamation, qui est une forme de malédiction qui continue d'avoir nos pressions sur nos vies, qu'elle soit neutralisée cette nuit, au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire « Amen » m'embête. Chaque fois que vous dites Amen, c'est un interrupteur qui vous permet de saisir la pensée qui a été prononcée. Et vous savez, comme le diable, voyez-vous, le diable a des sorciers simplement parce que Dieu a des serviteurs.
Les sorciers, c'est la contrefaçon des pasteurs. Donc ça veut dire que quand le diable veut faire du mal dans une famille, il passe par les sorciers. Dans chacune des familles africaines, il y a un sorcier. Et écoutez-moi très bien, les sorciers, c'est la contrefaçon des pasteurs. Donc les sorciers opèrent avec une puissance inférieure à celle des pasteurs. C'est parce que Dieu a ses serviteurs, ses prophètes, que Satan a les sorciers. Et je veux vous dire que si les sorciers ont parlé sur ta vie, Dieu a envoyé aussi son messager pour venir parler sur ta vie, afin que quelque chose qui a été dit dans le monde occulte, que cela soit détruit, que cela soit brisé, que cela soit renversé, au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Dans les réclamations, ce sont des vives protestations que le diable émet contre ta vie, la vie d'un individu, pour le tuer, le ruiner, le rendre impuissant, malade, le détruire. Des vives protestations. C'est-à-dire que si le ciel décide de t'amener à un certain niveau, le diable dit non, il n'y a pas droit. On réclame, on proteste contre ton élévation en disant non, ça n'arrivera pas. Donc, les réclamations ont pour but de t'empêcher de jouir du bonheur que le ciel te réserve et te maintenir toujours en arrière. C'est ce qu'elles font. Et donc, elles agissent comme des vents contraires aussi. Les réclamations agissent comme des vents contraires qui soufflent contre toi, comme des barrières invisibles et infranchissables que tu n'arrives pas à surmonter. Comme des tempêtes subites et subtiles qui soufflent soudainement pour détruire tout ce que tu as construit avant. Et le but suprême, c'est de t'empêcher d'atteindre, voyez-vous, les rivages de ta destinée. Que tu puisses atteindre les rivages de ta destinée. Le but, c'est que Satan ne veut pas que tu serves au dessein de Dieu. Mais je lève ma main vers le ciel et je dis à quelqu'un qui écoute le son de ma voix, le diable est ton menteur. Tu atteindras le port désiré au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des Amen. Dis encore Amen. Donc, il est important que nous puissions comprendre d'où viennent les réclamations. Ça vient d'où, leur origine. Généralement, la réclamation vient d'une transgression de la loi de Dieu, ou de la parole de Dieu, ou des principes de Dieu. Elles peuvent aussi provenir de la rébellion à Dieu, rébellion à son autorité directe ou son autorité indirecte. Rébellion à son autorité directe ou son autorité indirecte. Une réclamation peut avoir lieu sur ta vie à partir d'un acte d'un parent. On parlera là d'une réclamation héréditaire. C'est un héritage. Et ça a commencé à agir depuis tes parents. Et ça te poursuit. Et dans la Bible, l'une des belles histoires qui nous montre comment est-ce que ça marche, c'est l'histoire de Job. Job était un homme intègre. La Bible dit cela de lui. Il était intègre. Il était un homme droit. Mais regardez dans Job 1, verset 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Il a dit quoi? Je te le... Lisez, on dit quoi? Je te le livre. Qui a livré Job? Qui a livré Job? Alors, Satan est parti voir Dieu. Et Dieu lui demande, hé, Satan, tu viens d'où? Il dit, ah, j'étais sur la terre. Il dit, ah, t'as remarqué mon serviteur Job, tu l'as vu? T'as vu cet homme-là? Et Satan lui dit, mais attends, toi aussi, comment est-ce que tu peux bénir un homme comme tu l'as béni? Rendre un homme aussi riche et l'homme ne te craint pas. Il te craint parce que tu as le blé. Si tu lui as donné le blé, si tu lui enlèves le blé, tu vas voir, il va même plus te craindre. Donc, Satan lui-même reconnaît qu'un homme qui a du blé craint plus Dieu. Contrairement aux doctrines qu'on nous enseigne en disant que non, quand on est pauvre, on aime Dieu. Non, quand on est pauvre, on peut justement s'attacher à Dieu, mais rien ne prouve qu'on l'aime.
Non, 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 non. Tu ne peux voir l'amour de quelqu'un pour dire que quand la personne a un peu. Mais quelqu'un qui est dépendant, comment tu sauras qu'il t'aime? Il est obligé d'être dépendant. Parce que s'il n'est pas là, il n'aura rien. Donc il est obligé de s'attacher tous les jours. Mais quand Dieu te donne, c'est là où on voit quel est ton cœur. Je lève ma main vers le ciel et je demande que le ciel te comble de bénédictions dans le nom suprême de Jésus. Et que tu aies la possibilité de montrer à Dieu que tu l'aimes. Que tu le crains dans l'abondance de maison, de provision, de percée. Que tu continues d'être un adorateur, quelqu'un d'engagé, quelqu'un de passionné, quelqu'un de soumis, quelqu'un d'engagé. Au nom suprême de Jésus, ton amen m'embête. Il dit, c'est normal, cet homme te craint. Et Dieu lui dit, d'accord, on va faire quelque chose, je vais te prouver que tu mens. Alors, je te le livre. Alors, il dit, je te le livre. Regardez mon verset 2. Il a livré Job entre les mains de Satan. Écoutez-moi très bien, frère. Dieu signe un accord secret au ciel pour livrer la famille de Job entre les mains du diable. Ça, ça doit faire réfléchir. C'était Dieu lui-même qui a signé l'accord avec le diable. Et soudainement, Job est là, on vient lui dire, oh, j'étais à la fête avec les enfants. Et puis, il y a eu un drame. Moi, ce que j'ai survécu, je suis venu t'annoncer. À peine on tourne le dos, oh, j'étais dans les champs. Enfant a soufflé, tes brebis sont morts. Je suis venu seul, venu t'annoncer. Donc, il y a toujours une personne qui s'échappe. Mais pour venir lui donner des mauvaises nouvelles. Pendant que j'étais dans l'avion et que je parlais en langue, Dieu m'a dit de te dire que le cycle de mauvaises nouvelles prenne fin. Au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Est-ce que vous savez, il y a des mauvaises nouvelles qui se succèdent et qui ne... Quand ça se succède trop là, il y a un problème. Non, 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 Dieu ne t'a pas conçu pour que chaque semaine, il y ait une mauvaise nouvelle sur ta vie. Non, c'est un indicateur crédible qu'une réclamation est en train de parler contre ta destinée. Si ce n'est pas ta voiture qui a un problème, c'est ton enfant qui est malade. Ce n'est pas ton enfant qui est malade, c'est toi qui as dormi le jour d'un rendez-vous et tu as oublié de partir. Il y a autant de choses qui arrivent aux gens. Parce que quelque part derrière, il y a une puissance invisible qui est en train d'agir contre la vie de la personne. Le surnaturel contrôle le naturel. Et dans Job 2, verset 6, je dis encore la deuxième fois, je te le relivre. Et c'est là où Satan descend du ciel et il va frapper Job d'un ulcère malin. Parce qu'il avait été livré. Frère, les choses n'arrivent pas par hasard. Il y a toujours derrière une orchestration diabolique. Ne dites pas, je ne comprends pas pourquoi, j'étais tout paisible. Et puis soudainement, il y a tant de vent. Il y a toujours derrière une main qui est en train de manipuler pour attirer ça vers vous. Et aussi, écoutez-moi bien, quand le diable sait que vous êtes à une promotion spectaculaire, il va activer les réclamations. Pourquoi? Parce que quand vous allez à un autre niveau, il dit non, selon les accords signés dans cette famille, il ne devait pas atteindre cette dimension. Mais il ne fait que se lever, activant maintenant les tempêtes contre lui. Donc généralement, elle se lève quand ta vie est en train de prendre de l'ascension. Quand Job devient riche, tellement riche, au point où c'est Dieu qui fait sa publicité. C'est là où Satan dit non, là il n'y a plus, non, non, là on doit faire quelque chose. Dans cette tempête, ça arrive souvent à des moments où le ciel te réserve quelque chose. Où il y a quelque chose que Dieu prépare pour toi. Et le diable dit non, cela n'arrivera pas. La tempête peut se lever dans ton mariage, peut se lever dans tes fiançailles, peut se lever au travail, peut se lever avec des amis, peut se lever avec les collaborateurs. La tempête peut se lever parce qu'il y a quelque chose que le ciel prépare. C'est pour ça qu'il faut apprendre à être spirituel et focalisé et savoir interpréter les événements qu'il y a tout autour. Vous savez, Job était un gars intègre. La Bible dit de lui, on va y revenir. Dans Luc 22, verset 31 à 32, la Bible dit, je vois la pierre qui a vécu pendant 3 ans
avec Jésus, Pierre était le gars même de Jésus. Le gars même. Il y a des gens qui pensent que oui, bon, comme Jésus est avec moi, et frère, Pierre était le gars de Jésus. Il dormait avec lui, il mangeait avec lui. Et la Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi ou converti, affermis tes frères. Et il dit, Satan vous a réclamé. 3 ans et demi avec le Seigneur, mais il est réclamé. Donc, une réclamation peut agir dans ta vie alors que tu parles en langue. Tu peux être bishop, archevêque, pasteur, révérend, apôtre, bishopette et réclamer par l'enfer. Ça n'a rien à voir avec le titre que tu as. Pierre était le chef. Ça, Jésus dit, Satan t'a réclamé. Imaginons un moment que Pierre même n'a pas eu la dimension spirituelle pour comprendre ce qui lui arrivait. C'est Jésus qui a discerné que derrière ça, il y avait le diable. Imaginez que Pierre a dit à Jésus, je m'en fous. Avec tout ce que je connais aujourd'hui, moi aussi je peux m'en sortir. Qu'est-ce qui serait devenu? Vous devez comprendre, frères et sœurs, que, voyez-vous, dans le monde spirituel, il y a un ordre. Quelqu'un dit ordre. Quelqu'un dit ordre. Qui était Jésus pour Pierre? Il était quoi? Mais il était aussi quoi pour lui? Son père spirituel. Et il y a des réclamations sur ta vie. Dans le père spirituel seul a habilité, a dit, a prononcé, a établi pour les faire s'arrêter. Pierre était, et c'est pour ça qu'il a dit, je prie pour toi, mais pas pour vous. Je mets fin et toi, maintenant tu pries pour les autres. Dans la notion d'ordre. Quand dans le royaume des cieux, vous ne comprenez pas la notion d'autorité spirituelle, vous êtes disqualifié pour une vie de succès. Disqualifié totalement. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je prie de tout mon cœur. Que ce soit tous les enfants de cette église, tous ceux connectés à cet hôtel, tous les hommes de Dieu, nous comprenons le monde spirituel. Et qu'on ne se laisse pas séduire par des raisonnements insensés et par l'immaturité de la clairvoyance de la pensée de Dieu. Que cela ne soit bon ton partage au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Regardez Esaïe 42, verset 22. Et cet homme peut piller et dépouiller. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Et ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Donc ton cas est pire quand il n'y a personne pour te délivrer. On dit personne qui les délivre. Dépouillé et personne qui dise restitue. Ça veut dire qu'il faut une voix autorisée qui peut dire restitue. Quelqu'un me donne ton meilleur amen. Quelqu'un dit amen. Alors, mon fils patient Kajambéré m'a dit, Lumumbashi, c'est la ville où il y a les plus grands sorciers du pays. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, celui qui est arrivé ici a la puissance au-dessus de toutes celles des sorciers de la ville assemblée. Et je l'ai dit sur l'autel. Il y a des gens qui sont loin. On a tous l'onction, mais on n'a pas le même niveau. On a tous l'onction, on n'a pas le même palier. On a tous l'onction, on n'a pas les mêmes dimensions. Il y a des gens avec une parole. Ils peuvent mettre fin au chaos dans ta vie et restaurer l'ordre. Une seule parole et les choses s'arrêtent. Je lève ma main vers le ciel. Au nom suprême de Jésus, je décrète, je déclare et j'établis dans le nom suprême de Jésus, quelles que soient les batailles sur ta vie et ta destinée, qu'elles cessent. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Il dit... Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et enseignants pour le perfectionnement du corps de Christ, afin que vous ne soyez point ballottés et emportés. Donc ça veut dire que le diable ne va pas jouer avec toi comme une feuille. Après ce message, tu seras enraciné dans l'Europe, solide dans tes convictions. Alléluia. Amen. Esaïe 49, verset 24 à 26.
Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Et ils s'enivreront de leur sang comme du mout. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le Dieu puissant de Jacob. Donc la Bible dit, la capture du méchant lui sera enlevée. En d'autres termes, je suis venu te dire que même si Satan t'avait volé, tu n'as fait qu'épargner. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Même si Satan t'avait volé, tu n'as fait qu'épargner. Je prie que certains d'entre vous goûtent aux prémices de type de grâce et de bénédiction dont je parle. Afin que ta vie soit un torrent immense de bonheur et de joie. Que cela ne s'arrête point dans le nom suprême de Jésus. Tout ce qui avait été pris de façon générationnelle, je décrète, déclaré, établi. Que cela t'est restauré par la puissance de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. J'ai l'image de David qui va attraper le lion, qui va le battre et enlever la brebis dans sa gueule. Je suis en train de dire que si Satan avait pris ta proie, je suis le terrasse, j'enlève de sa gueule et je te restaure au nom suprême de Jésus. Satan ne mangera rien de ce qui est à toi. Le destructeur est détruit par ses paroles au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Dis encore amen. Donc, frère, les réclamations, elles existent. Elles existent, mais n'aie pas peur, parce que la puissance de Dieu est au-dessus de celle du diable. Amen. Je vous donne 7 révélations essentielles sur les réclamations, et nous allons prier. 7 révélations essentielles. 1, notez bien, quand Satan a réclamé Job et Pierre, personne d'eux ne vivait dans le péché. Quand Satan a réclamé Job et Pierre, personne d'eux ne vivait dans le péché. Pierre était le disciple choisi par Dieu. 3 ans et demi avec son maître. De nuit comme de jour. C'était pas qu'il était là et puis il rentrait à la maison. Non, ils étaient ensemble tous les jours. Il a été réclamé. Dans Job 1, verset 1, il est écrit, il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il était comment? Intègre et droit. Et la Bible dit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc ta sanctification n'empêche pas au diable de te réclamer. Il était sanctifié. Vous voyez, les gens sanctifié. Il craignait Dieu, ne commettait pas le péché, mais il a été réclamé. Dans Job 1, verset 8, la Bible dit, as-tu réclamé? C'est le lieutenant qui parle à Satan. Mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il y a quoi? Personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais cet homme-là a été réclamé. Dont ta sanctification personnelle ne te met pas au large. Deux, les réclamations ont plusieurs origines. Et il est très important de n'en être pas ignorant. Elles ont plusieurs origines, il ne faut pas l'ignorer. Afin de ne pas combattre la mauvaise cible. Les réclamations peuvent avoir plusieurs origines. 3, la réclamation est une forme de malédiction. Qui, comme la bénédiction, sont des conducteurs de puissance surnaturelle.
elle est conductrice de puissance surnaturelle. Et elle déclenche la réclamation des événements maléfiques. Elle dit, la réclamation déclenche sur ta vie des événements maléfiques. Conductrice de puissance surnaturelle, comme la bénédiction. Et orchestratrice d'événements maléfiques. C'est-à-dire des choses maléfiques t'arrivent. Tu es en route comme ça et puis tes deux pneus éclatent. Boum, boum. Tu vas chez le dentiste. On te perd et on oublie l'aiguille dans ta bouche. Ou alors c'est le ciseau dans ton ventre. Et on commence à condamner le médecin à dire qu'il a mal fait son travail. Quand il a regardé, il n'a rien vu. Mais les réclamations l'ont embrouillé. Il l'a laissé dans ton ventre. Les choses bizarres t'arrivent. Tu sors comme ça, tu te poses ton portable, il disparaît. Même à l'église, on te vole. Même à l'église, ça devient. Tu sens que le diable te cherche. Les gens me regardent. Même à l'église, il y a des voleurs. Ils viennent là, ils s'asseyent. Mais je te déclare, hein, toi là, si tu es voleur ici, tu continues un jour, tu vas ramper seulement pour descendre les escaliers. Il faut faire attention. Je ne suis pas en train de rendre légitime ta fonction ici. Donc vous voyez, c'est très important. Il faut faire attention. Et le cas de Job, il a eu plusieurs événements. Ses enfants, ses activités sont tombées. Ses enfants sont morts. Non, vous savez, Dieu ne peut pas faire mourir en même temps, dans une même voiture, deux personnes de même famille. Quand vous voyez les choses pareilles arriver, Dieu est tellement intelligent qu'il a séquencé la venue et les départs. Faire mourir les gens en même temps. Le malheur arrive ici, le malheur frappe là-bas. Généralement, il y a derrière une main occulte. Et les gens disent non, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Non, l'Éternel a donné, Satan a repris. Mais je déclare sur ta vie que Satan ne pourra pas te reprendre. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. En ce qui me concerne, je ne sais pas toi, Dieu est pour moi l'alpha et l'oméga. Comme c'est lui qui m'a conçu, c'est lui qui me fera mourir. Aucun sorcier ne pourra décréter ta manière de dire amen, m'embête. Ça n'arrivera pas. Dis après moi, ça n'arrivera pas. Encore, ça n'arrivera pas. Encore, ça n'arrivera pas. Encore, ça n'arrivera pas. Encore, ça n'arrivera pas. Satan ne pourra pas. Il ne pourra pas. Non, 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 il ne pourra pas. C'est pas possible. Pas du tout. Vous savez, dans le cas de Job, Job aurait pu, voyez-vous, commencer à se plaindre quand les malheurs ont frappé. En disant, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et il dit, bon, je vais changer d'église. Mon pasteur n'est plus loin. C'est pas une question de pasteur qui n'est plus loin. C'est ta vie qui est réclamée. Il pouvait changer de ville et de pays. Là, ce qui était signé au ciel, là. Le changement de ville, de pays, d'église, de pasteur ne peut rien changer. Et je vais plus loin. Même le pasteur n'avait pas habileté à révoquer ça. Tant que ce n'était pas changé au ciel. Le problème de beaucoup de croyants, c'est que tu veux cacher le mal dans ton cœur et penser que le pasteur va faire changer la prière. Tu mens. Je suis un homme spirituel. Je vous dis sérieusement. Je me tiens, je prie pour des gens. Souvent quand je parle, je sens que je ne suis pas connecté au ciel. Je crie, je me blesse. Il y a des gens, tu pries même pour eux, tu te blesses à la gorge. Elle dit, le ciel même te dit, tu pourrais prier pourquoi? Mais il y a des gens, tu pries, tu peux parler 2 heures. Tu ne sens même pas que tu as prié. Tellement il y a une force intérieure. Tu es en train de télécharger les choses en haut. Quand tu parles en conformité avec le ciel. Point par point, étape par étape, et événement par événement. Le Seigneur te conduit parce que là, Dieu parle. Jean pouvait changer de pasteur, ça ne changeait pas son cas. Et le drame aujourd'hui, c'est que beaucoup de croyants refusent de se conformer à la vérité. Et pensent que comme ils sont tous nés de nouveau, ils ont Jésus, ça suffit, tu mens. Je suis venu te dire, je suis un homme de Dieu, je marche avec Dieu. Je suis venu te dire, je suis un homme spirituel, tu mens. C'est parce que Jésus est mort pour toi qu'il m'a envoyé. Je dis encore, tu mens. Il est important. Frères et sœurs, de comprendre comment le royaume de Dieu marche. Amen. Sinon, frère, vous savez, si au moins vous étiez sur un apprenti pasteur qui vous parle, vous remettre en cause. Quelqu'un qui marche 25 ans, qui est dans sa 26e année de marche, avec le même torrent d'onction, une capacité incroyable, qui parle et les gens sont guéris à distance.
sans les avoir vus, qui apparaît dans les maisons, et les gens qui étaient près de la mort retrouvent la vie. Un autre gars m'appelle à Haïti. Il était aveugle, il ne voyait plus, presque plus rien. Après l'univers du possible, il me dit, j'ai l'audio dans mon portable, ses yeux se sont ouverts à nouveau. Il m'a envoyé l'audio. Il a dit au médecin, je crois que je vais voir. Et il a revu, à distance, frère. On n'est pas en train de blaguer, on n'est pas en train de cochonner. On est en train de parler des choses de véritable puissance. Quelqu'un dit puissance. Quelqu'un dit puissance. Quelqu'un dit puissance. Tu vas goûter aux délices de la puissance. Frère, écoutez-moi très bien. Il y a des gens que Dieu s'est choisi. Dans un domaine précis, je crois que tu en fais partie. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, Dieu m'a choisi. On était 15, 14, sont morts, je suis resté en vie. Donc Dieu avait déjà sa main sur moi. Parce qu'il m'attendait pour que je t'annonce ce message. Je viens de dire à Satan, Satan, tu perds ton temps, tu perds ton temps. Tu perds totalement ton temps. Tu ne peux rien contre l'église. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Mais le diable est méchant. Le diable est méchant. Il est vraiment méchant. Parce qu'il réussit à aveugler, à ensorceler, à faire mentir certaines personnes. Le diable est méchant. Je prie de tout mon cœur que tu n'aies pas de regret dans la vie. Et que Dieu te donne d'atteindre la dimension de bénédiction dans laquelle je suis. Frères et sœurs, je vous parle de vraies bénédictions. Heureux le matin, heureux à midi, heureux le soir. Visiter dans l'avion, dans la voiture, visiter dans le train, partout, le ciel est ouvert sur ma vie. Je prie que Dieu te donne d'expérimenter de telles choses au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Quelqu'un dit sanction de Dieu. Visite-moi. Touche-moi. Ma propre femme. Femme, on est ensemble. Femme, c'est-à-dire qu'elle dort avec moi sur le même lit. Un jour, je voyage. Et puis elle s'amuse, elle s'assoit sur ma chaise, elle dit, le lancement de mon mari là, que ça tombe sur moi. Dieu dit, ah, c'est ça tu veux, hein? Femme, tiens. Elle a prêché, poum, 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 poum. Elle rentre à la maison, elle passe au bain jusqu'à 4h du matin. Le Seigneur lui dit, mais tu as demandé l'onction de ton mari. Est-ce que tu vois ton mari dormir avant 4h? C'est l'onction là qui est sur toi maintenant. Maintenant qu'elle vient prêcher dimanche, elle dit, ne m'assieds pas là-bas, je veux pas ça parce que après c'est compliqué. Frères et sœurs, est-ce que quelqu'un, je parle du surnaturel, je parle du surnaturel. Un autre jour, je suis assis chez moi. Un couple entre. La femme est gravement malade. Visiblement. Je pars dans mon bureau pour prier. Et je dis à la femme, assieds-toi là, j'arrive. Je ne savais pas ce que je suis en train de faire. Quand je reviens, elle est guérie, elle transpire. En bonne santé. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, dès que je me suis assise, là, une puissance est montée. Une puissance est montée, la chaise. Et puis, j'ai retrouvé la santé. Il n'y a plus besoin de prier, on a juste rendu grâce à Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Faites attention aux gens que Dieu s'est choisis. Faites attention aux gens que Dieu s'est choisi. Si les ossements d'Élisée, Élie est mort, il ne peut plus parler. Fais attention à un homme de Dieu même quand il ne parle plus. Ah non, il n'a plus d'onction, il est mort. Attention, dans la tombe, un autre cadavre roule. Il tombe sur les eaux, il revient à la vie. Dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, il n'avait pas le niveau de grâce que j'ai. Je lève les mains vers le ciel et j'engage la puissance de Dieu sur ta destinée au nom suprême de Jésus. Je décrète, déclaré, établi que tu porteras des fruits pour sa gloire au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que souvent je prends un à un. Je dis, ah, venez avec moi et puis on voyage. Parce que souvent la familiarité peut vous causer des problèmes. J'ai vu comment il était. Lui me regardait comme il était étonné. D'abord qu'on est entré, j'ai vu, lui il est étonné. Il dit, hé, c'est quoi ça? Regarde derrière, voir qu'il est, il ne sait pas y être. Il regarde, je dis, ah, mon frère, c'est l'ancien. C'est un serviteur de Dieu qui arrive. C'est pas la plaisanterie. L'interprète en plein culte. On parle, pape, pape et pape, je touche, pape, il est parti, il a dormi, on a remplacé. C'est pas une affaire de... C'est pas une affaire de... C'est pas une rigolade. Non, on n'est pas dans la rigolade.
Sérieusement, on n'est pas dans la rigolade. Je dis, tu vas me dire à montrer à Satan aujourd'hui là, qui a mis l'eau dans la noix de coco. Satan va savoir qui a mis l'eau dans le coco. Mais asseyez-vous, asseyez-vous. Mais vous savez, la malédiction, elle ne peut agir dans ta vie que quand elle trouve un accès. Ça veut dire quoi? Les réclamations ont un accès légal. Et on va toucher ce point. Regardez Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, et c'est la malédiction, sans cause, n'a point d'effet. L'autre jour, j'étais là, et puis j'enseigne. Une de mes filles qui était dans un problème personnel. Vous savez qu'à l'église, tout le monde a un problème. Souvent, les gens ont des défis. Le pasteur parle, tu as l'impression qu'il parle de contre toi. Quelqu'un est venu raconter ton histoire. Alors, j'étais tellement choqué. Oui, pasteur, mais tu es venu prêcher sur moi. J'ai dit, hé, hey, ma petite. Toi, petite, là, je vais prendre la chair ici. Je vais commencer à prêcher contre toi. Quand Wafo est devenu à peur de t'appeler pour te dire la vérité en face. Hé, hey. J'ai dit, mais jusqu'où tu peux aller comme ça? Et puis, je me suis fâché. J'ai dit, attention, plus jamais tu parles comme ça. Parce que je voulais pas qu'elle soit frappée. Comment peux-tu parler contre l'autel et penser que je monte sur l'autel après une nuit de veille pour venir parler de toi? Ah! Elle dit, j'ai pas senti l'enjeu aujourd'hui. J'ai pas senti Dieu dans la salle. J'ai dit, sacrilège. Quoi? Vous savez quand le diable veut t'avoir? Frère, quand on voit les... Ceux qui sont ici, vous êtes moins nombreux que ceux qui sont à distance. Les gens qui sont touchés à distance. Comment un homme équilibré, un homme ouais, un homme intelligent comme moi, je peux me focaliser sur toi? Et Satan te fait croire, tu te prends... Hey, Dieu Tout-Puissant. Le diable est mauvais. Le diable est mauvais. Non. Et puis, heureusement ce jour, vous savez, Dieu est tellement bon. Et puis la sœur, c'est vrai, elle était dans une histoire, elle avait eu l'impression. Elle m'a envoyé un message, et puis elle m'a, dans le message, elle me parlait un peu. J'ai utilisé le même thème que le message. J'ai dit, ma sœur, j'ai même pas vu ton message en question. Alors, j'ai dit, regarde, si j'ai vu sur WhatsApp, ça va s'allumer. Elle regarde, j'ai pas vu. J'ai dit, j'ai même pas regardé ton message. Je suis un homme de Dieu. Vous savez, une sœur voulait épouser un homme. Et Dieu lui a dit, c'est pas long. Elle était convaincue, elle dit, le pasteur dit, c'est pas long. Dieu lui dit, c'est pas long. Elle était chez elle. Le fou est venu taper à la porte. Tac, tac, tac. Toi, là, tu dis que tu es bête, là. On te parle, là. C'est... Et puis, elle a dit qu'on a monté le fou. Quand les gens sont entêtés. Quand les gens sont entêtés, je prie vraiment que ce message ne te trouve pas l'entêtement. Que vraiment, ça soit un scanner qui ouvre ton cœur à la vérité. Et que tu t'humilies devant Dieu pour marcher dans les voies qui sont siennes. Et bénéficier de tout ce que le ciel t'a accordé. Job n'a pas été réclamé quand il était pauvre. Job a été réclamé riche. Il y a des gens qui pensent que non, j'ai déjà tout. Frère, un seul jour, un seul petit venait dans un ding, c'est fini. La vie devient amère. Que ça ne soit pas ton partage. Que ça ne soit pas ta portion. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. C'est comme dans le monde francophone. Vous voyez, les gens... Hein, j'étais béni à Lubumbashi. Le gouverneur de la ville est venu. Il a dit, je ne m'assois pas devant. Tu étais là? Il a dit, je ne m'assois pas devant. Je veux m'asseoir derrière. Je ne veux même pas être devant. Je m'assois avec son staff derrière. Il a gratté manger, cinquième. Parce que chez nous, d'une part que la vraie, l'onction là qui t'a élevé là, la même bouche qui t'a béni, la même bouche là, faut faire attention qu'elle ne parle contre toi. C'est le même Dieu qui a béni Adam qui l'a maudit. C'est pas quelqu'un d'autre. La même bouche. La même bouche. Il n'y a que dans ce monde francophone, surtout les gens deviennent, quelqu'un qui a levé ses mains vers le ciel, qui t'a mis les mains dessus, qui a parlé. Frère, même si tu es fou, tu fumes le sang par les narines. Faut faire attention. Et vous savez, très attention. Et le drame, je me suis rendu compte que la majorité des personnes qui se perdent, ce sont celles qui viennent avec des motivations occultes. Quand quelqu'un cesse de donner, il est disqualifié. Et
Et donc, voyez, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Il faut veiller. On enseigne ça aujourd'hui parce que bon, les gens veulent ton argent. On donne des messages sucrés, sucrés, sucrés. Et puis tu penses que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et c'est pourquoi l'église ne prospère pas véritablement. Là, les gens ne sont pas enracinés dans la vérité. C'est ça le vrai problème. Il faut une raison. Quelqu'un me demande, mais pasteur, c'est quoi donc la raison? Pourquoi est-ce qu'on a attaqué Job? Mais Job était dans la peur. Quand le diable est venu parler de Job, là, quand Dieu lui a parlé de Job, il dit, mais toi aussi, Job. Mais Job craignait. Il était dans la peur. La crainte qu'il avait, il avait peur. Job 1, verset 5. Job 1, 5. Regardez ce qui est écrit. Job 1, 5. Regardez ce qui est écrit. Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils pour qu'ils se levaient de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait pour coutume d'agir. Donc il avait peur que ses fils soient détruits. Et la peur a été une invitation pour que Satan le détruise. Donc, Job a eu peur. Généralement, quand les accidents veulent arriver, tu commences à avoir peur de l'accident. Quand la chute va arriver, tu commences à avoir faim de la chute. Il arrive même les saisons où tu as peur de mourir. Tu dors, tu as peur. Tu dis, est-ce que je vais me réveiller? C'est une sorte de réclamation contre ta vie. Ne te tais pas en ce moment précis. Ne te tais pas du tout. Communique à une force supérieure. Ce qui t'arrive dans ta vie et qu'on parle. Ne te tais pas du tout. Il faut parler. Et vous voyez, la cause générale de ces malédictions, de ces réclamations dans la vie d'un croyant, c'est quand tu vas avoir notre Dieu. Vous savez qu'il y a des croyants, ils sont croyants, et puis après leur partenaire d'affaires dit, bon, allons voir un féticheur. Et ils partent ensemble. Ils vont voir le féticheur. Et non, vraiment, nos affaires sont bloquées, je connais un féticheur. Et puis ils partent. Et puis ils font des offrandes au féticheur et ils viennent à l'église. Le genre de réclamation qu'il y a sur ta vie. Le jeune homme qui était là, un enfant de Dieu, l'ami de Luc, a failli mourir. Mais une parole de moins d'une minute, au moins dans la salle d'attente, moins d'une minute, la maladie s'est arrêtée. Lui perdait du sang. Arrêté. Totalement. Dieu lui a montré d'où venait la chose et puis c'est fini. Ce n'est pas une affaire de harabab, harabab. Non, il y a des autres. Quelqu'un dit autorité. Quelqu'un dit autorité. Frère, si même tu n'es pas sensible spirituellement, quand j'ouvre la bouche là, tu ne sens pas dans ton cœur quelque chose qui brûle? Non, non, je te dis, je te pose, tu ne sens pas? Même les démons de ton village, ils savent. Un jour, on a demandé à une femme, à l'époque, il y a près de 20 ans, on a demandé à une femme à Yopougon, qui t'a demandé d'aller voir Pasteur Wafou? Elle est en songe, ne repars plus là-bas, si tu prends, on va te tuer. Elle est venue à la réunion après, je lui ai dit, mais c'est parce qu'ils savent que ta délivrance est ici, ils ne vont pas te tuer. Il y a des gens, tu les rencontres, le diable ne veut pas. Il y a des aiguilles où tu parles, le diable t'encourage, il dit, vas-y là-bas, va t'asseoir là-bas. Et puis, maintenant, le demain, c'est lui qui te réveille. Va prier, va prier. Va à l'église. C'est lui, c'est Satan qui te réveille pour dire, va prier. Parce qu'il sait qu'il n'est pas dérangé. Et puis, continue d'avoir l'emprise sur ta vie. Il faut faire très attention. Donc, avoir notre Dieu, ce n'est pas bon. Mais aussi, pendant que je priais pour cette réunion, Dieu m'a demandé d'adresser la question de l'autorité parentale. Certains d'entre vous, les réclamations viennent du fait que vous n'honorez pas votre père. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère. Un jour, j'ai entendu le bishop Ayeu de Pau, cette icône de l'Évangile, parler de cela aussi. Honore ton père et ta mère. Ah non, parce que mon père n'est pas converti. Et puis quoi? La Bible dit, honore ton père et ta mère. Honore ma mère et sorcière. Et puis quoi? Honore ton père et ta mère. Certains d'entre vous, vous êtes tellement riches que votre mère doit habiter une petite case derrière la maison. La maison des servantes. C'est là ta mère dort. Et tu viens à l'église, tu te lèves, tu joues les beaux garçons. Tu es dans la maison, ta mère dort derrière. Alors c'est elle qui t'a porté dans le ventre. Et tu es un enfant compliqué à la naissance. C'était compliqué. Tu t'étais, tu maudillais ta mère. Elle t'a supporté. Tu faisais trop de diarrhée. Elle changeait de couche tout le temps. Maintenant, tu es grand et tu penses que tu es arrivé. Non, 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 gardez la vieille. Mes invités arrivent. Faites pas que la vieille vienne ici. Faut pas que la vieille. Hé! La vieille vienne ici. Ta mère. Ou ton père. Le vieux. Mes invités arrivent. Pardon, mettez-le derrière. Tu as honte de ton père?
es dans la clim, dans la même maison, ta mère dort sur le ventilateur. Quand on voit ton matelas, t'as dit, tu as dedans comme ça, ça te couvre même. Tellement c'est agréable. Mais le matelas de ta mère, là, c'est en bois, les bois, juste la natte dessus. Avec ces vieux os-là, elle est là comme ça, elle se tourne la nuit, les os fatigués. Toi, tu es dans les trucs et tu honores ton père. Alors que Dieu, quand il regardait ta mère, il a voulu délivrer ta mère en te bénissant. Et toi, tu as pris dans tes mains, tu dis non, c'est la vieille, c'est le vieux. Voilà les mots que vous prenez, vous collez à vos pères, la vieille, le vieux. Tu veux les tuer maintenant? Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à comment on traite les parents. Il y a des parents difficiles. Ah non, difficiles. Des parents qui te donnent la migraine. C'est-à-dire tu dors même la nuit, tu as torticolis à cause de penser à tes parents. Mais ça fait aussi de partie de ta croix à porter. Heureusement que tu portes une croix qui t'a d'abord porté avant. Et donc Dieu est un Dieu tellement jaloux que si tu ne comprends pas ça, tu auras toujours des problèmes. Toujours. Il faut vraiment prier dans ton cœur pour que ton cœur n'ait rien contre ton père et ta mère. Et s'il te plaît, si ton père vit, si ta mère vit, je t'en supplie, fais tout pour qu'un jour à genoux, il te bénisse de cœur. Qu'il dise quelque chose sur ta vie. Qu'il prononce des paroles. Arrache des bénédictions de la vie de tes parents. Arrache. Il faut qu'il dise quelque chose de bon. Ah non, mon père n'est pas ouin. Et puis quoi? Ton père peut ne pas être ouin, mais sa bénédiction compte. Aujourd'hui, on a des croyants, des qui sont devenus croyants, les familles n'existent plus. Non, ma famille, c'est l'église, ma famille, c'est l'église. Hé, tu t'es trompé, hein? Il y a d'abord ton père, hein? Et Dieu a mis ça dans la parole. Il y a deux types de pères. Il y a deux types de pères. Quand Élisée a rencontré Élie, il dit, laisse-moi d'abord dire au revoir à mon père. Mais après, il appelle Élisée et dit, mon père. Il montre là qu'il y a deux pères. Il y a le père dans la chair, il y a le père spirituel. Vous ne pouvez pas honorer un et mépriser l'autre. Ah non, vraiment, vraiment, le pasteur Wafo, il me fait du bien. Non, vraiment, je peux faire du bien. Mais ton père est là. Regardez ce que la Bible dit. Colossiens 3, verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Colossiens 3, 20. Regardez. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le... Là, il s'agit du père spirituel. Le premier père, là, c'était le père dans la chair. Ça, on dit dans le Seigneur. Obéissez en toutes choses à vos parents. Là, c'est le père dans la chair. Spirituel plutôt. Dans le Seigneur. Donc, ton père dans le Seigneur, la Bible dit, obéissez à vos parents. Donc, il y a le père physique, il y a le père spirituel. Ça, obéissez à vos parents. Proverbe 20:20, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Proverbe 20:20. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Je vais te donner un conseil. Si tu es là un jour et que les gens parlent mal de ton père, sors, tu fuis. Tu ne peux pas être assemblé avec les gens qui parlent mal de ton père et tu mets ta bouche. Ta lampe va s'éteindre dans les ténèbres. C'est-à-dire au milieu de la tempête, je te lâche. On a même des gens, voyez-vous, qui planifient et qui volent leur père spirituel. Ah oui, moi j'ai déjà vécu ça. Des gens qui te volent, c'est-à-dire ils te montrent une histoire, tu es son père spirituel, mais ils t'arnaquent. Et ils pensent qu'il s'en est sorti. N'oublie pas une chose, si ton père spirituel n'a rien dit, Dieu va dire. Parce que la parole de Dieu a la capacité elle-même de veiller sur ce qu'elle dit. Donc tu ne peux pas, voyez-vous, briser les lois de Dieu et penser que tu vas réussir. Je me demande, mais vraiment, est-ce que les gens, qu'est-ce que les gens ont dans la tête? Tu ne peux pas, c'est pas possible. Non. Si tu as commis un tort, répands-toi. Tu as commis une faute, répands-toi. Un autre jeune homme, brillant. Il y a eu des problèmes gauche-droite, droite-gauche. Je l'appelle à la cour, je dis, jeune homme, Dieu est avec toi, mais arrête de te comporter comme ça va te causer de problèmes. Et puis il disparaît.
Mais il s'en va. Qui le chasse? C'est le diable. Là, c'est une réclamation. C'est-à-dire les choses qu'il a faites, comme il n'est pas repentant, ces choses commencent à parler contre sa destinée. Une personne pareille ne réussira jamais. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est même pas possible. Vous ne pouvez pas défier les lois de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et les gens ont souvent tendance à croire que bon, ouais, non, frère, Dieu existe. Dis à ton voisin, Dieu existe. Vous voyez, on peut être promis un grand avenir, mais ta lampe, c'était au milieu des ténèbres. Combien de personnes avec qui on a prêché l'évangile? Combien de gardes doux avec qui j'ai été? Ça fait 26 ans, aujourd'hui, la 26e année, je prêche l'évangile. Combien de gardes doués que j'ai connus? Des personnes, c'est-à-dire, comme nous on prêchait, je regarde la personne, je dis, il va aller loin. Mais la personne s'arrête en cours de route. Et qu'est-ce qui se passe? Ta lampe, les principes de Dieu, avec lesquels on ne joue pas. Je rends grâce à Dieu qui m'a dit, rentre! Va demander pardon à ton pasteur, alors que j'avais jamais parlé à mal contre lui, mais j'avais pensé du mal de lui, de ses décisions. Dieu m'a fait quitter la Sierra Leone pour le Cameroun. Je n'ai jamais oublié cette leçon. Maintenant, on a des gens, attends, on a l'impression que c'est la folie, quoi, en fait. Faites attention, les réclamations peuvent peser sur ta vie. Pas la qualité de ton cœur heureux, c'est que le cœur pur, quand ils verront Dieu. Le diable est subtil, il sait. Tu étais gelé, tu étais engagé. Mais maintenant, quelqu'un est venu à côté. Pam, entrepris dans le piège. Fais attention. Quelqu'un te dit, on est ancien ici. Il faut lui demander où sont les fruits de ton ancienneté. S'il est ancien sans fruits, il faut le fuir. Parce que l'ancienneté, là, il faut les fruits. Il faut les fruits. Si je te dis, 25 ans, je te montre le ministère, je te dis, fruits après fruits. D'abord, je prends le doigt sur toi, tu es un des fruits. Est-ce que tu es un des fruits qui ont été portés par la grâce? Je te montre ça, c'est un fruit. Donc, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de fruits, mais qui parlent. Attention, frère. Attention, frère. Attention, frère. C'est ça le problème des démons qui étaient avec Lucifer. Ils l'ont suivi. Frère, ne mêle pas ta tête dans les affaires d'autrui. Sinon, tu vas démoniser ta destinée. Il y a toujours derrière une raison. Moi aussi, j'ai Jésus. Hey, toi aussi, tu as Jésus. Dieu est un Dieu d'ordre. Et vous savez, c'est devenu tellement... que je vois des gens, il y a même des gens qui commandent des ministères sur la base de ce gars. Mais c'est un ministère qui ne peut aller nulle part. Non, vous ne pouvez pas dans la vie commencer quelque chose sur la base d'une rébellion. Et vous ne pouvez jamais vous séparer sur la base des problèmes. Allez demander à Lot, séparé avec Abraham, il a perdu sa femme. Alors que c'était une séparation à l'amiable. Abraham lui a dit choisis. Il a choisi devant son père. Ton père te dit choisis, tu choisis. Moi je m'en vais là-bas. Okay, Abraham dit ok, comme tu es trop fort, moi il va ici. Il a perdu sa femme dans l'histoire. Allez demander à Cham, le fils de Lot, est-ce que Lot n'avait pas bu? Il avait bu. Est-ce qu'il n'était pas sous? Noé, est-ce que Noé n'avait pas bu? Il avait bu. Est-ce que Cham n'avait pas venu? Il avait vu. Mais quand Noé a maudit ses fils, ça n'a pas marché? Ça a marché. Pourquoi? Parce que Dieu prend toujours le parti du père. Un fils n'a jamais raison devant son père. Et donc, ça peut être des bases pareilles. Ça peut être des problèmes, voyez-vous, d'inceste, d'homosexualité et des choses semblables. Fais très attention, frère. Tu peux être pasteur, mais tu as volé l'argent de l'offrande de ton frère. Ton ami est venu prêcher chez toi. On a fait ses offrandes, tu as volé. Mais le diable va se tenir dessus pour réclamer tes finances. Et ton ministère ne va pas prospérer financièrement parce que tu as volé ce qui était réservé à notre frère, à notre homme de Dieu. Comment est-ce que vous pensez que Juda a été détruit? Juda a été réclamé. Pourquoi? Parce qu'il volait. Et il y a une personne pour qui je priais, elle m'a dit, stop, tu ne peux plus, parce que c'est une réclamation. Tant que ce n'est pas arrangé, tes prières ne peuvent rien faire. Tu te tais et tu observes. J'ai fermé ma bouche. Judas, la Bible dit, et à Satan entrant en Judas. Pourquoi? Parce qu'il volait dans la caisse. Ouais.
Judas avait chassé les démons. Judas était loin, mais Judas a été réclamé. Quel était le sort de Judas? Il est mort pendu. Frère, on doit faire attention. On doit faire très attention. Je suis en train de dire, oh, homme, avant que tu ne connaisses ta femme, ta mère existait. Ce n'est pas à cause de ta femme que tu as abandonné ta mère. Je veux dire à une femme que l'homme là que tu as là, c'est sa mère qui l'a fait téter. Tu ne peux pas séparer d'un homme avec sa mère ou avec son père. Tu vas faire un effort, prier pour aimer tes beaux-parents. Si tu n'aimes pas tes beaux-parents, tu es dans la sorcellerie, même si tu parles la langue à l'église. Il faut faire un effort d'être en règle avec tes beaux-parents. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc c'est très important. Non, parce que le pasteur est d'accord avec toi, parce que tu fais les offrandes tous les jours, que Dieu est d'accord avec toi. Non, 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 non. Ah, il faut marcher, il faut voir clair. Il faut marcher dans la droiture. C'est très important. Cinquième point, et là nous sommes en train de monter maintenant en température. Une réclamation peut être basée sur un fait qui est antérieur à toi. C'est-à-dire prenant appui sur le sang que tu portes. C'est-à-dire ce n'est même pas toi, mais c'est le sang que tu portes qui est la base de la réclamation. Alors suivez cette partie du message. Suivez-la très attentivement. Suivez-la très attentivement. Je voudrais que tu viennes là, de ce côté. Viens là. Toi, tu te mets là. Viens ici, viens pas ici. Un peu plus proche. Très bien. Et toi, tu te mets de l'autre côté. Regardez bien. Qu'est-ce que vous lisez ici? Papa. Qu'est-ce que vous lisez là-bas? Abraham. Alors, tiens, de ce côté. Qu'est-ce que vous lisez ici? Simon. Tiens, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Montre-toi bien là-bas, de l'autre côté, mon petit. Jésus. Et là, le diable. Suivez bien attentivement, une belle histoire. On revient sur l'histoire de Pierre. Regardez ce que la Bible dit, et ça, c'est très intéressant. Jésus dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé, vous a réclamé pour vous cribler, comme le froment. Alors maintenant, Simon, écoutez bien, avait déjà eu son nom changé en Pierre. Donc ça veut dire que le Simon qui est réclamé s'appelait aussi Pierre. Et donc Pierre, d'accord, ici, c'est l'homme nouveau. Le Simon en question, c'est l'ancienne créature. Donc, quand Jésus dit à Pierre, qu'il a appelé déjà Pierre, qui a réclamation, il ne dit pas Pierre, Satan vous a réclamé. Mais il dit Simon. Pourquoi il dit Simon? Parce que là, il se rattache au sang que porte Pierre. Il se rattache à l'ancienne créature de Pierre, l'homme ancien qui descend de son père, les liens de famille. Il dit Simon, Satan vous a réclamé. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas Pierre? Parce que Pierre, quand on dit Pierre, Pierre appartient ici à qui? À Jésus. Et donc, la nouvelle création ne peut pas être réclamée de façon comme une lignée. Non, comme c'est une nouvelle création, il ne s'attaque pas à la nouvelle création parce que là, il n'y a pas de porte d'accès, mais il s'attaque à Simon. Là, on parle de ce que Simon porte dans son sang. Il vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Maintenant, regardez bien, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Simon signifie « j'ai entendu ta souffrance ». Et Pierre vient de Cephas, qui veut dire l'homme nouveau, c'est-à-dire celui qui est enraciné sur le rocher, stable. Donc ici, on a quelqu'un avec deux dimensions. La dimension de Simon et la dimension de Pierre. Comme toi, tu as l'ancienne créature et tu as la nouvelle création que tu es. Maintenant, tout dépend de comment est-ce que tu vois ta vie. Sur quelle base et sur quel axe tu marches avec Dieu. Le diable est rusé. Le diable est rusé, tellement subtil. Regardez bien, vous allez aimer la révélation. Matthieu 16, verset 17 à 19, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang
Voyez, qui t'ont révélé cela? Mais mon Père qui est dans les cieux. Regardez bien. Et moi, je te dis que tu es, il parlait à qui? À Simon. Et il dit, mais tu es Pierre. Et il dit, et si cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Donc il dit à Simon, tu es Pierre. Et il dit, verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu liras sur la terre sera relié dans les cieux. Mais ceci est précédé d'une révélation que Pierre a eue sur la personne de Jésus. Alors, venez, regardez bien. Ici, on a Simon qui est réclamé par le diable. Et Jésus aime Simon. Jésus va aller maintenant à la quête de Simon. Et il le tire, il l'amène chez lui. Il commence à lui dire, tu m'appartiens. Tu es à moi. Satan ne pourra pas réclamer ce qui m'appartient. Je prie pour toi, Satan ne t'aura pas. Tu es à moi. Il le place sous lui. Maintenant, en le plaçant sous lui, il répond à la parole qui a été donnée à Abraham, le père de Pierre. Car on a dit à Abraham, il dit à Abraham, Abraham, puisque tu as fait cela, toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Et il dit, je bénirai ta postérité et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Donc il dit, les portes de ses ennemis seront possédées par sa postérité. Mais quand Jésus va parler à Pierre, il dit, les portes d'enfer ne vont pas prévaloir contre toi. Donc en quelque sorte, en parlant à Pierre, il répond à ce que Dieu a dit à Abraham. On parle de portes. Abraham, on a dit porte. Et à Pierre, on dit porte. Et à toi, on dit porte. Ta manière de dire amen m'embête. En d'autres termes, tourne-toi. Quand Jésus parle à Simon, échange son identité, il est en train de répondre au serment qui a été fait par Dieu à Abraham. Il dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Maintenant, il montre, maintenant par Jésus à Pierre, comment est-ce que la postérité possédera les portes de ses ennemis? C'est en ayant la révélation de qui est celui qui les a affranchis. Il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. En d'autres termes, tant que tu l'as compris, toutes les attaques qui vont venir de l'enfer, si tu as bien compris, ne pourront pas te branler. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est très important. Alors là, tout dépend de toi. Comment tu vois ta vie? À la Simon ou à la pierre? Non, tout dépend de toi. Comment tu te vois? Simonet ou Pierré? Ah, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. De comment est-ce que tu vois les choses. Maintenant, si Satan vient, il se tourne vers Satan. Et Pierre, il se tourne vers Satan. Et il lui montre le nom en disant, c'est Pierre. Je ne sais pas qui tu cherches. Tu as eu affaire à Simon, mais là c'est Pierre. Ça c'est Pierre. Ça c'est Pierre, ce n'est pas Simon. Et il va demander, mais il est passé où? Il est passé où Simon? Pierre va dire, Simon est mort. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont bonnes. Voici toutes choses à devenir. Amen. 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 Alors écoute-moi bien. Si Satan ne comprend pas, rentre chez toi, organise une petite fête, invite tes amis et comment, non pas une fête, le deuil. Invite tes amis et pleure Simon. Le problème, c'est ça dans le monde spirituel. Les gens ne comprennent pas les réalités. Vous savez que vous pouvez organiser la mort de l'homme qui était le vieil homme. Pleurer l'homme qui vivait avant. Vous invitez vos amis et vous commencez à noir, vous commencez à pleurer. Que l'homme qui était à moi là, il est mort. On pleure son deuil, il est mort. Faites savoir à tous les sorciers qu'il est mort. Mais ne terminez pas sur le deuil, parce qu'il va changer tes pleurs en cris de joie. Amen. Amen.
après quelque temps, tu fais acte 2. Tu invites les gens parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est né. Quelqu'un me donne le meilleur des amen. Et tu organises la fête et cette fois vous dansez à cause de Pierre. Si Simon est mort, Pierre est né. Si Simon est mort, alors Pierre est né. Ne t'arrête pas au deuil de Simon. Il faut faire le deuil de Simon. Mais il faut te réjouir de la naissance de Pierre. Parce que Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Le temps me manque pour vous montrer la profondeur de cette vérité. Quand tu as déjà compris que tu es Pierre, alors toute condamnation s'arrête quand il y a la repentance. C'est-à-dire que si tu es repentant de quelque acte que tu as posé dans la vie, le sang de Jésus se tient pour toi parce que Jésus devient l'avocat de Pierre. Jésus devient la personne qui protège Pierre afin que les assauts du malin ne puissent rien contre Pierre. Et Jésus est obligé de le faire parce que Jésus a été envoyé par Dieu le Père pour répondre à un serment fait à Abraham. C'est pour ça qu'il est écrit, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi ne sont plus fils de Zoumgan ou Afo, ni fils de Kwame, ni fils de Choukandeke, mais ils sont devenus enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cette vérité? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour la révélation de la parole? Alléluia! Amen! 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 Acclamons encore très fort le Seigneur! Acclamons très fort le Seigneur! Faisons mieux que ça! Acclame, acclame, acclame! Acclame, acclame, acclame Jésus! Alléluia! Amen! Comme je vous ai promis, nous allons prier. Parce que ça, ce n'était que, en fait, une introduction qui est plus longue même que le point central. On prendra 10 minutes de prière. J'ai fait tout ça pour que tu comprennes ce qu'on va faire. Puisque le but du message était de prier, vous voyez, mettre fin aux réclamations sataniques sur ta vie. Les détruire. Donc là, tu as eu des informations. Maintenant, il faut qu'on passe à la destruction. Dis à ton voisin, es-tu prêt? Nous allons détruire. Encore! Écoutez-moi bien, frère. Regardez-moi ici. L'un des problèmes de l'église aujourd'hui, c'est qu'on enseigne trop et on prie peu. Alors que la maison de Dieu est une maison de prière. Les gens viennent là, ils font gauche à l'université, verset biblique sur verset biblique. Mais depuis que tu connais les versets bibliques, tu es allé où avec? Et les gens se contentent d'avoir des versets. Oh, Colossiens a dit ça. Oh, Jean a dit ça. Oh, Matthieu a dit ça. Même les gens qui contestent, la Bible aussi a dit non. La vérité, ce n'est pas le verset biblique. Le verset biblique peut être cité dans le mensonge. Ce n'est pas parce que je cite le verset biblique que je dis la vérité. Satan a cité la Bible. On va prier sur la base de la vérité. Et je te garantis que Satan va être délogé. Et moi, je vais te dire que moi, en tant que père, en tant que ton leader, j'ai prié dans le secret pour toi. Il y a des gens de qui j'ai dit à Satan, tu ne l'auras pas. J'ai dit, Satan, sors entre toi et mon fils, sors entre toi et ma fille. J'ai dit, tu n'as rien à voir ici, tu n'auras pas cette personne. C'est mon rôle. Quelqu'un dit, c'est mon rôle. Encore. Encore. Alléluia. Et je vais parler à tous les pères qui sont ici, tous les pères qui sont au loin spirituellement parlant. Priez que Dieu vous donne la patience. Un père, un pasteur qui n'est pas patient va détruire beaucoup de ses fidèles. Parce que tu vas voir des fils te faire des choses que tu n'imagines pas. Si tu n'es pas patient, ta bouche va détruire leur destinée. Un vrai pasteur doit avoir du coffre.
Il y a des choses que je sais que ma femme ne saura jamais concernant certains d'entre vous, parce que si je parle, c'est pas bon. Alors j'avale. Il y a des choses de vous que je sais. Je vous ai vu, mais vous pensez que vous n'avez pas vu. Je vous ai entendu. Dieu m'a montré. Vous ne savez pas que je vous ai entendu. Et on se voit, on rit. Il faut du coffre. Frère, être pasteur, être un homme de Dieu, ça demande du cœur. Nous allons prier. Et je prie de tout mon cœur que si tu es père ici, même d'abord pour tes enfants à la maison, je t'en supplie. Si ton enfant t'a fait n'importe quoi, s'il te plaît, relâche. 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 N'aie pas le cœur serré contre un enfant. Relâche. 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 Parce que si ton cœur continue d'être serré, les choses ne seront pas bonnes pour la personne. Relâche. C'est important. Alors maintenant, on va prier. Tu es prêt? Lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'invoque la loi de la miséricorde sur ma vie. Fais-moi miséricorde. Car ta miséricorde triomphe des jugements. Et ta miséricorde dure à jamais. Ô Père, ô Père, ô Dieu, j'ai besoin de toi. Ma main levée vers le ciel. Je déclare, personne d'autre n'est mon Dieu, si ce n'est toi et toi seul. Seigneur, je demande pardon pour tous mes péchés, conscients ou inconscients. Ô Dieu, pardonne-moi pour les péchés de mes pères qui coulent dans le sang du vieil homme. Oh Dieu, pardonne-moi. Pardonne à mes pères. Il est écrit, ta miséricorde triomphe du jugement. Je me place maintenant sous la protection de ta miséricorde. Oh Père, que le sang de Jésus me purifie de tout péché, de toute iniquité, de toute parole, de toute action, de tout acte, ô Père, qui a offensé le ciel et sa justice. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, que ton sang, ô Jésus, me purifie. Je fais appel à toi comme étant l'avocat de ma destinée. Jésus, 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 s'il te plaît, plaide ma cause. Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. J'écris au secours. Jésus, 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 secours-moi maintenant. Oui, je crois que tu m'as pardonné. Je le sais. Alors je déclare que toutes les réclamations qui avaient contre ma vie ont perdu le sens de la légalité. Car le pardon de Dieu a effacé toute légitimité de cette réclamation. C'est pourquoi maintenant j'annule les décrets et toutes les formes de réclamation et conspiration en marche contre ma vie. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que le monde occulte ne pourra pas agir avec succès à ma défaveur au nom suprême de Jésus. Je brise toute influence des réclamations ancestrales sur ma vie au nom suprême de Jésus. Je ne me reconnais plus vivant sous la juridiction du sang de mes pères, car aujourd'hui je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses
sont devenues nouvelles. Je renverse maintenant toutes les barrières invisibles, sataniques, diaboliques, agissant contre ma vie au nom suprême de Jésus. Maintenant, mets tes deux mains sur ta tête. Le Seigneur me demande de continuer seul. Tu vas simplement dire, amen après moi. Je décrète, déclare et établis que toutes les barrières invisibles qui ont été dressées contre ta vie, en vertu du pouvoir que le Seigneur m'a souverainement conféré, je déclare que ces barrières sont renversées au nom suprême de Jésus. Je déclare sur ta vie que toutes les imprécations et les sorts, tous les vents contraires qui ont agi contre ta vie sont calmés au nom suprême de Jésus. Tu atteindras le port désiré de ta destinée dans le nom suprême de Jésus. Je déclare maintenant que toutes les alliances implicites ou explicites encore vivantes dans ta vie, ouais, par et qui sont la base de ces réclamations, sont brisées au nom suprême de Jésus. Ces alliances sont brisées au nom suprême de Jésus. Ayant reconnu Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel, je déclare à l'enfer, Satan, tu n'as donc aucun droit légal sur la vie de cette personne au nom suprême de Jésus. J'annonce maintenant sur ta vie que le feu de Dieu s'en va pour consumer les cases, consumer les coffres-forts, consumer les prisons sataniques où tes biens ont été stockés au nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare et établis que le butin du méchant lui est enlevé, le butin du puissant est enlevé et que la restauration t'est accordée. Reçois-la dans ta vie au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Maintenant j'annonce de mon autorité de prophète de Dieu, établi sur mon office, que la confusion change de camp. Tes ennemis sont dans la confusion au nom suprême de Jésus. Ils sont venus concertés par un chemin, ils s'enfuient maintenant par sept au nom suprême de Jésus. Toutes les associations maléfiques, la confrérie des sorciers qui se sont levées pour t'attaquer, pour ruiner ta nuit, pour t'envoûter, pour te donner des repas, pour t'ajouter les sorts, pour te téléguider, pour t'amener à prendre de mauvaises décisions, je décrète, déclare établi que cela s'arrête au nom suprême de Jésus. Et je déclare que tout comme Pierre, tu ne vas pas retourner à la barque du monde. Tu ne feras pas marche arrière. Tu ne rentreras pas sur ce que tu as vomi. Ça ne t'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Car Dieu intervient en ta faveur. Dieu intervient en ta faveur. Je déclare que même si tu étais reparti à ta pêche d'avant, le Seigneur Jésus envoie des anges te récupérer et te ramener dans le nom suprême de Jésus. Tu ne passeras pas à côté de ton histoire. Tu joueras le rôle que le ciel t'a réservé au nom suprême de Jésus. Maintenant, lève ta main et dis, je reçois la grâce de bien finir ma course sous le soleil. Encore. Alors, je déclare et établis, cette grâce descend sur toi. Tu iras jusqu'au bout au nom suprême de Jésus. Toutes tes années investies dans le sérieux, dans la droiture, dans le succès, ne seront pas soudainement arrêtées, comme dans le cas des gens, au nom suprême de Jésus. Cela n'arrivera pas. En tant qu'homme de Dieu, j'engage maintenant à ton égard la puissance de la résurrection contre toute forme de réclamation persistante, dans le nom suprême de Jésus. Par le feu, par la force, Satan dégage. Dégage, dégage au nom suprême de Jésus. Que ce soit sur tes affaires, dans ta famille, dans tes projets, dans tes entreprises, je déclare que ça n'a pas lieu, car tout est arrêté au nom suprême de Jésus. 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 Je décrète, déclare et établis, rappelant à Satan qu'à cause de ton appartenance à Christ, tu es devenu une nouvelle création. Et tu es devenu fils d'Abraham par la foi. Il y a un serment qui pèse sur ta vie. Il y a une promesse héréditaire venant d'Abraham ton père qui a été dit de toi. Sa postérité possédera les portes de ses ennemis. Alors je déclare que tu possèdes les portes de tes ennemis au nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton heure.
Tu ne mourras pas avant ton heure. Aucune malédiction sur ta vie ne te détruira. Aucune maladie pernicieuse ne te détruira. Les flèches qui volent en plein midi ne t'atteindront pas. Au nom suprême de Jésus, car la main de Dieu est sur ta vie. Tu iras jusqu'au bout et Dieu te donnera de transcender les limitations. À partir de toi, les choses qui n'arrivaient pas dans ta famille arrivent. Tu as la restauration de la dignité familiale. Au nom suprême de Jésus. Toute action satanique prenant la pauvreté, prenant l'échec et les choses semblables sur ta vie sont détruites au nom suprême de Jésus. Tu vas te marier et tu vas bien te marier. Tu auras tes enfants, tu avanceras, tu ne reculeras pas, car la main de Dieu est sur toi au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Je maudis sur ta vie la malédiction de la procrastination. Tu obéiras à Dieu parce qu'il t'en donne la capacité. Tu prendras les résolutions et tu vas les exécuter parce que Dieu te donne la capacité d'y agir. Au nom suprême de Jésus. À cause de cette bénédiction, les connexions surnaturelles sont en plein partage au nom suprême de Jésus. Et répète après moi, je suis une personne libre. Encore. Encore. Oui, je déclare que tu es libéré par le sang de Jésus. Affranchi de toute forme de malédiction. Au nom suprême de Jésus. Car tu es repentant. Les imprécations, les sorts et les choses semblables n'ont pas de pouvoir sur toi. J'annonce donc maintenant que tout ce qui pesait encore contre toi, c'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Que Dieu bénisse sa vie, acclame le Seigneur. Fais mieux que ça, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame-le, acclame Jésus. Acclame ton Créateur. Acclame ton Seigneur, acclame ton Maître, acclame ton Roi. C'est ta portion, c'est ton partage, c'est ton héritage. C'est le jour du salut, c'est l'heure de la délivrance. C'est ton partage, acclame-le. Continue d'acclamer, acclame le Rédempteur, acclame le Victorieux. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Les réclamations sont détruites et brisées. Acclame-le, acclame-le. Acclame ton Maître, acclame ton Père. Dans le nom suprême de Jésus, acclame-le, acclame-le. Rien ne t'arrêtera, rien ne t'arrêtera. Tu progresseras, tu atteindras, tu vaincras. Acclame-le, c'est ton partage, c'est ta portion, c'est ton héritage. Acclame-le, acclame-le. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Brando cabré, sarabaholo seteke. Rakoto brendaro korebo sataheya. Rokoto brando salabahole keteaka. Brando ko karobo salabaheleya. Rokotaka, je lève ma main vers le ciel. Reko pa, j'engage mon appel. Robobo à l'écart de l'assemblée de toutes les personnes connectées à cet hôtel. J'engage mon appel, Père. Tu as dit, tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Tu m'as envoyé avec cette parole. Tu m'as envoyé avec ce message. Tu m'as envoyé avec cette révélation. Père, je décrète, je déclare et j'établis au nom suprême de Jésus que cette parole t'enracine dans l'Europe et que tu n'es plus jamais quelqu'un de vacillant dans le nom suprême de Jésus. La stabilité t'est accordée par la grâce de Dieu au nom suprême de Jésus. C'est ton partage, c'est ta pleine portion dans le nom suprême de Jésus. Tu ne porteras pas le vêtement de la honte. Tu ne seras pas dans le camp de la confusion. Ça ne t'arrivera pas au nom suprême de Jésus. La grâce de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Alléluia. Amen.
Hallelujah. Alors, je vous donne un autre secret. Une des choses importantes, et j'ai vu qu'il garde le cœur d'un homme, c'est parler. Parler en tout couple. Comme père parle à son fils et comme fils parle à son père. Parler entre amis. Communiquer. Que chacun parle à son prochain selon la vérité. Ne gardez rien dans le cœur. Il peut arriver que vous compreniez quelque chose, mais vous comprenez à votre niveau. Le monde spirituel a plusieurs paliers. La révélation de la parole de Dieu est progressive. Il y a des choses aujourd'hui, quand j'entends Dieu me dire, c'est la première fois, la malédiction, ça fait partie de ma manière de légiférer. Donc, c'est-à-dire, j'intègre ça dans ma manière de gouverner. C'est trop fort. C'est très, très fort. C'est-à-dire, vous m'avez dit ça 10 ans en arrière, je vous aurais dit, vous racontez n'importe quoi. Mais je vois jusqu'à ce que Dieu me montre qu'il a eu un accord avec Satan pour aller atteindre la vie de Job. Et c'est la grâce de Dieu qui a été donnée à Job de ne pas maudire Dieu quand sa femme a dit « Maudit ton Dieu et meurt. » Ses amis sont venus 7 jours en sa présence. Quand ils ont vu le cas de Job, ils ne pouvaient pas parler. Tellement la misère était grande qu'ils sont juste assis à côté de lui. Il n'y a pas de mots pour le consoler. Mais Job est resté intègre. La grâce de Dieu l'a gardé. Frère, la vie que nous menons dans le royaume des cieux, c'est une vie, elle est riche, elle est profonde, elle est dense. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Eh bien, écoute-moi bien, si tu crois comme pasteur, je parle à tout le monde sur la planète, comme pasteur est ton père, aime ton père. Ce ne sera jamais un avantage hein, d'avoir des problèmes avec ton père. Aime ton père, dans la chair, aime ton père, en tant que pasteur. Aime tes idées. Même dans l'église, quand on établit quelqu'un au-dessus de vous comme un leader, si vous ne comprenez pas, aimez-le. C'est quelqu'un qui est au-dessus, il incarne l'autorité de Dieu. Vous ne pouvez pas aller contre ça. C'est l'ordre de Dieu. C'est très important. Et c'est ce qui rend nos églises faibles. Ce qui rend les gens improductifs. C'est que nous ne comprenons pas la notion d'autorité. Voyez-vous? C'est important. Vraiment que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Que la grâce du Seigneur nous soit multipliée. Et je vais vous dire sérieusement, j'ai tellement de compassion et d'amour. Vous savez, je reste comme ça, je restais là, j'étais à Lubumbashi. Je vois toutes les opportunités qui sont. J'ai dit, mais il faut des fils, il faut des personnes, il faut des personnes loyales. Quand vous êtes intègre et loyal, c'est votre avantage. C'est à vous que ça profite. C'est à vous, hein, ma fille. Aujourd'hui ici, quelle affaire je vais faire aujourd'hui qui est à mon avantage? Non, honnêtement, rien. C'est que j'aime ça, c'est ce que je fais. J'ai atterri à 14h55. Je suis entré à l'aéroport à 15h moins. Je suis entré chez moi, je me suis préparé. En certain moment, je dis à ma femme, je veux être seul. Je suis seul pour venir prêcher. C'est ce que je suis appelé à faire. Après 7 heures de vol, depuis Addis Abeba jusqu'ici. J'ai fait 7 heures de vol. 7. Et c'est la dernière partie du voyage. Après avoir commencé le voyage hier, je suis arrivé là. Demande-lui, à Addis Abeba, à sortir de l'avion, qu'est-ce qui t'a étonné? À la sortie de l'avion, qu'est-ce qui s'est passé? À sortie de l'avion, on sort de l'avion, là, il va à Addis Abeba. Les dollars me poursuivent à la sortie de l'avion. C'est-à-dire, on me poursuit pour dire, tiens, pasteur. Dans l'avion même, quelqu'un sort de derrière pour venir devant, pour frère. C'est, honnêtement, je vous dis la vérité, qu'est-ce que j'en fais? Rien du tout. C'est pour toi. Amen. Je lève ma main vers le ciel, je déclare que Dieu te donnera de goûter à ce délice. La pauvreté n'est pas ton partage, la pauvreté n'est pas ta portion. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Amen. Attends. Viens de l'autre côté. Avance. Jésus a dit à Pierre, viens. Tant, continue. Stop. Vous savez, les réclamations deviennent fortes quand tu n'es pas loin du but. Pierre a été réclamé un pas près de Jésus. La tempête s'est levée. Pourquoi? Parce que les réclamations ne voulaient pas que Pierre passe le test. Et Pierre s'est détourné, la sombre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a tendu la main, il a arrêté. Généralement, quand tu n'es pas loin de tous les sacrifices consentis, à la dernière minute, quand le diable sait que c'est terminé pour toi, tu risques d'arriver quelque part. C'est là où la tempête se lève.
C'est ce jour-là que Pierre a remporté le test pour être le leader. S'il avait sombré, il n'aurait jamais été leader. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais heureusement pour Jésus qui a été toujours là pour tenir la main de Pierre. Jésus était là pour recoller l'oreille du soldat que Pierre avait coupé. Le rôle d'un père, c'est aussi couvrir tes fautes. Et tenir ta main. Pour qu'on aille ensemble. Donc, moi, ma victoire, c'est que tu sois victorieux. Et je déclare établi que tu l'es. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amens.